Bonjour, bonsoir, bienvenue sur les remontées des menuirs. Aujourd'hui, le téléski des Têpes. Une remontée historique de la station, en effet, construite en 1972 par Pignon Transcap, qui a été racheté par Skyrail puis par Poma. Ce téléski est dit comme difficile et pour cause. La pente maximale est supérieure à 60%. Ce téléski est desservi par une seule et unique piste rouge du même nom. Et bien sûr, il sert de point bascule avec Méribel par le mont de la Chale. Le débit maximum n'est pas très élevé, mais bon, c'est qu'un téléski, on va dire. Le débit maximum est de 715 personnes par heure avec une vitesse d'exploitation de 3,5 m/s, soit 12,6 km/h. L'altitude de la gare Aval est à 2125 mètres et juste à côté du départ du télésiège bulle des Granges. L'altitude du sommet est à 2413 mètres pour un dénivelé de 288 mètres avec une longueur totale de 1 km 044. Il est équipé de 119 perches et de 10 pylônes. La tension s'effectue en gare amont par un vérin hydraulique de 120 bars. Nous allons passer tout de suite le pylône, je ne sais plus, le pylône 4. Voilà. Le passage du pylône 6, un support, on voit bien le travail de la pince. Nous arrivons au pylône 7 qui est une compression qui va marquer la pente à plus de 60%. Bah dis donc, nous arrivons déjà au sommet, ça a été rapide, comme je vous l'ai dit, la vidéo est accélérée. Et voilà. Si tu as aimé, tu peux t'abonner.